Enfin bon, c'est la blague. Mais franchement, je trouve qu'il y a de moins en moins de joueurs sur le jeu. Je retrouve toujours les mêmes personnes. Ouais. Je sais pas toi, hein, mais je retrouve toujours les mêmes personnes et ça me stresse. Bah, je sais pas. Ils ont fini le... L'histoire, ils se sont barrés, quoi. Ouais, voilà. Et, enfin bon, c'est triste. Enfin, je trouve. Après, je dis que Destiny 1, c'est mieux. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, en fait, finalement. Ouais. Enfin, c'est catastrophique, quand même. Enfin, c'est mon avis. Après, vu les vaisseaux qu'ils font, c'est... Vu les trucs qu'ils font, aussi. Ah bah non, mais là, c'est du foutage de gueule, hein. C'est 100%, 100% foutage de gueule. Oh génial! Ah oui, c'est vrai, il y a que 4, il doit y avoir que 4 ou 5, même pas, et encore, je vais être gentil, assauts. 4 ou 5? Il n'y a pas des masses d'assauts, hein. Champ de Savatoun, comment, le trafiquant d'armes qu'on vient de faire en nuit noire. Ouais. Celle sur Nessos avec le robot à la fin à péter, là. Opération Caliban. Ouais. Donne-moi d'autres. Non, je suis à 3. Un dernier signal il y a quelques heures. Mais rien du tout depuis. Fait toute la planète. Ça, non, y'a pas toute la planète. Sur Terre, y'en a pas. C'est bien connu, la ruche est cruelle. Alors, ouais. Attendez-vous. Si, y'en a une sur Terre. Les gardiens sont sous ma responsabilité. Ah, si, c'est trafiquant d'armes. Essayez de faire ça vite. Et surtout. Oui, exact, oui, trafiquant d'armes sur Terre. Oh putain. T'es tombé en plein dedans, hein. C'est... Ah, mon amour des pièges, hein, tu sais. Oui, je sais bien. Toi et les jeunes pièges. Hommes et jeunes femmes thaïlandais. Non, c'est les pièges. Les pièges. Du coup, je comprends pas trop. Bah, en parlant de confondre, tu peux me raconter ton histoire quand t'as été en Thaïlande? Ouais, faut pas dire. Faut pas dire, d'accord. Tu sais qu'au bout d'un moment, tu vas te lâcher... Ah non, c'est pas toi. D'accord. Okay. Mais ouais, attends, il reste quoi d'autre comme assaut? Aïe, putain, connard. Voilà, moi aussi, je me suis fait piéger. Par contre, faudrait penser à... Putain, mais il n'y a pas un seul trou du cul qui a pensé à mettre le spectre, quoi, c'est... J'avais une boule de neige, donc je pouvais pas. Oh, on dirait que la ruche n'a pas envie de recevoir du monde. Mais là... Non, mais allô, quoi. Voilà, tout ce que vous méritez, c'est... Oh la gueule! Ah bon, je vous regarde bosser les mecs, hein. Bon, y a pas de soucis, j'ai fait mon job. Ah mais je fais mal encore en fait! Comment ça se fait que je t'ai loupé toi? T'es très fort. Bah ouais, non, j'ai pas compris comment j'ai pu la louper en fait. Honnêtement, hein. La deuxième j'ai compris, elle l'a esquivé, mais la première. J'ai pas capté. Tiens, celle-là je vais pas te louper par mais contre. Putain, hein. Mais elle esquive tout. Ah oui, on a plus les bonus, c'est nul. Ah, oh, parce qu'on a plus le palomar. Là, c'est juste un petit truc de merde pour me faire espérer que c'est bien. Ouais, c'est ça. Non, y a rien à faire dans le jeu en endgame, hein, pas du tout. Hein. À part un pauvre grind sur. Le problème, en fait, tu vois, grinder, ça me dérange pas. Mais grinder, quand t'as différents contenus sur lesquels grinder, tu tournes pas en rond, quoi. Tu vois. Que grinder sur trois pauvres maps à toujours faire la même chose, ça c'est chiant. La boule de neige explosive. Après, ils font mal hein, la boule de neige, c'est ça qui est bien. Bah oui, c'est ça qui est pété, c'est oh, un engramme légendaire. Ça c'est bien. Non, c'est que du légendaire, hein. C'est moi, c'est les exotiques que je tombe jamais. Ou alors, ou alors quand je les tombe, c'est parce que je l'ai déjà eu en 5 ou 6 fois. Adieu Marcus, voilà. En plus j'ai tué. J'avais une boule de neige, je pouvais rien faire d'autre. Je ne pouvais que... souffrir. Comme eux. Voilà. Mais Oh, je vais tellement tirer une boule de neige sur le cyclope. Oui. Oui. Lui il est mort par contre.
boule de neige. Oh ça l'a repoussé tellement loin de son truc. Mais c'est pété en fait les boules de neige, ça fait tellement de dégâts. C'est Noël. C'est Noël. D'ailleurs mon arme est pleine de neige. Je sais pas qui s'est permis de me tirer une boule de neige dans le cul encore, mais... Enfin je sais plus ou moins qui ça peut être. Ouais c'est... Pizan Max. Ouais c'est ça. Mais nous avons accepté cette mission. Personne n'abandonne. Commandant. T'as cru que c'était moi franchement. J'ai cru que c'était... Je te laisserai pas le transformer. Après. J'ai trouvé d'où provenait la construction. Je vais utiliser Garance pour la forme. Caliban, vous me recevez? Caliban, ne recevez pas. Eh boule de neige! Oh putain, on l'a perdu le pauvre garçon. Bah, non, le bruit de Garance, faut reconnaître qu'il est kiffant. Boule de neige! Voilà. Tu sais, ils sont pas fait chier pour le truc de boule de neige, hein. Ils ont pris juste l'invocation de la bombe d'ovra, ils l'ont mis sur la bombe de neige. Ah bah oui, non mais clairement, hein, je sais bien, hein, ça, et je sais bien qu'ils se font pas chier pour créer des trucs, hein. Mais... Oui, c'est le réflexe. On l'a fait tellement de fois, celle-là aussi, que... Je ne comprends pas. Ouais, d'après... Ce gardien était censé se trouver juste là. Non mais... Du recyclage, franchement. Ose dire que t'es pas d'accord. Ose dire que t'es pas d'accord. Merde, putain, je crois que c'est ma crotate. Il y a un nombre de balles là-dedans. Ce cristal était rempli de lumière abyssale. Lumière abyssale. Oui. Boule de neige. T'as cet amoutilé en plus, ils sont aveuglés. Ah oui, ils sont aveuglés, c'est débile. C'est hyper... Pété. Où est ce gardien? Ah, c'est la fête de Noël, ah mes yeux. Là. Pauvre homme. Désolé. Attendez une seconde. On dirait un saut d'invocation. T'es beau. Il semble y avoir tout un réseau de magie de la ruche sous. Oh, comment ça te l'a coupé? Alimenté par de la lumière abyssale. Comment ça te l'a coupé? La lumière abyssale pour invoquer quelque chose ici. Allô? C'est pas comme arme ça. Garance. J'ai cru entendre quelqu'un. Un revolver qui tire 3 balles par 3 balles. Vous m'entendez? Qu'est-ce que j'ai? Oui. Sauf que moi j'ai en 305. Moi je l'ai en 327, toi tu l'as en 305, pauvre de toi. On sait tous que t'es mauvais de toute façon. 335. La caméra montrera que t'as dit 305. Ah bah merde. Ah bah excuse-moi, mais moi j'ai compris 335. Ah bah oui, mais on sait bien que ce que tu comprends, c'est. Non mais t'arrêtes de me faire autant de dégâts quoi. Tiens, ah, prends ça dans ton oeil. Ah. Ouais, celle-là aussi, j'ai loupé les deux moi. Il s'est mis, il est pile au endroit où je peux pas le viser en fait. Là, y est. Là, il l'a senti. Voilà. La roquette de oh, la mort qui tue. Non, je voulais pas viser l'arbre, excuse-moi. Arbre. Arbre de la forêt. Est-ce que vous me recevez, escouade inconnue? C'est à quoi ça me rappelle ça, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à non, dans l'ombre de la guerre. Il y a un moment, c'est un combat, c'est Bulle Bizarre contre Dracofeu dans version. Pourquoi tu poses Pokémon? Ah bah parce qu'à un moment c'est littéralement un Florizarre contre un Dracaufeu dans l'univers de... Ah non mais le pire, attends, le pire c'est que c'est Celebrimbor l'elfe qui te balance non, on a l'esprit de la terre avec nous. Mais c'est un Balrog en face. On a l'esprit de la terre avec nous. Ok. Ah bah après... Ah bah non mais les elfes de toute façon c'est bien. Bouffe celui-là, regarde, regarde. Hop le. C'est d'où est venu Pokémon? Oui, je sais, de la chasse aux insectes. Me prends pas pour un con non plus. Hein. Ah merde. Ah j'ai cru. Ouais, bah moi, j'ai bien compris. Prof... Hein. J'ai senti que t'avais aucun respect pour moi. Hein. J'ai bien senti, hein, t'inquiète pas. Hein. C'est mon prof de dessin qui a dit ça. Qui a dit, vous connaissez l'histoire de Pokémon? Mais il a quel âge ton prof de dessin? Je veux dire, t'es pas à la maternelle, c'est pas un. Non. T'es à la maternelle? Non. T'es sûr? À la maternelle. T'es en quoi? Je suis con. Je suis en terminale. Bref, il est en maternelle. Putain, je suis en maternelle. Je savais pas que j'étais en maternelle. Tiens, tu la sens ma grosse garance? Voilà. Je t'ai fait éjecter. Et alors, je suis pas mort et j'ai continué à lui tirer dessus comme si rien n'était. Ça s'appelle être stoïque. Parlons peu, parlons bien. Je ne sais pas combien de temps mon spectre va tenir et je n'ai presque plus de munitions. Ah, t'es... Ne bougez pas. T'es tellement mauvais.
Je ne suis pas du genre à me planquer. Celle-là m'a touché. Je vais faire ce que je peux pour vous aider d'ici. Ah, mais c'est pas ma boule de neige. Que dommage. Ok, ça. Jamais toi. Souvenez-vous-en. Il vaut mieux laisser la lumière s'échapper que de laisser la ruche en abuser. Ah merde. Toc toc. Je voulais pas répondre. On sait tous que t'es qu'un connard maintenant, on a tous compris. Voilà. T'es inefficace, cherche pas. Aïe. Cool. Ah ouais, j'ai crié un truc. Et merde, j'allais me foutre de ta gueule parce que t'es rentré dedans, mais moi, au moment où je saute, il apparaît sous mon cul, donc je ne vais rien dire. Non, venez me voir, venez me voir, venez me voir. Et boum, bitches. Oh le le carnage. Oh non, t'as viré une, t'envoies une grenade. Du coup, je sais pas si c'est moi. Oh si c'est moi, parce qu'ils sont tous partis en foudre. Ah, ok. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as pas réussi? L'impuissance? Non, vas-y, passe, je t'en prie. Putain, fichier. Il y a l'autre qui est parti, n'empêche, en mode ran à foutre. Ok, c'est peut-être une connerie ce que je viens de faire. Un peu trop. Enfin, il y a deux maintenant. Non, il y a deux. Ah, ouais, merde. Ah. On a trois. Faut pas avoir peur. Ouais, bah je te mets un peu. Mais j'avais vu que t'étais complètement paniqué. Wouah, il y a. What? Voilà, tiens, chef. Ah oui, oui, bah voilà. J'ai vu que t'étais un paniqué. Hein. Oh oui, j'étais vache. Par contre, j'ai pas le droit à l'animation, c'est nul. Je m'insurge. Non, parce que t'es paniqué. Bah oui, parce que j'ai paniqué, bien sûr. J'ai tellement paniqué attends. Que j'y suis allé sans sprinter, t'as pas si t'as remarqué attends, hein mais... je vais te ranimer. What? T'étais obligé de faire des moments bizarres avec ton cul. Ces gardiens ne sont pas. Je t'ai réanimé. Récupérons le seau. Il faut trouver tes coups. Tu t'es empalé sur ma queue pour me réanimer, c'est ça, non? Non. Non, c'est pas ça. Ah bah moi c'est ce que j'ai vu hein, c'est ce que le monde entier a vu d'ailleurs. Reculez. Encore. Et on a vu que tu t'es chié dessus. Et pas moi. Ah, je marre. Tu es mauvais. Ah. Ah. Pourquoi j'ai une boule de neige aussi? Ah, parce que c'est l'autre qui t'a tiré dessus. Ah. Je retire ce que j'ai dit. Ensemble, bah, je sais pas, tu viens t'en prendre tout de suite là ou juste avant? Vous avez un autre des balles là. Non. Quoi? Dans elle-même. Vous transmettrez mes salutations à Sloane. Je perds des balles. Là, c'est le moment en balle. Les derniers, pas des balles lourdes, c'est chiant. C'est dommage que le spectre on puisse pas l'avoir sur commande. La lumière. Ah. Ouais, c'est dommage. Bah, ce serait tellement plus RP quoi. Ils ont complètement fuck le RP en fait, c'est ça le truc. Cassez-vous! Ah, j'adore. Ok, bah pour la peine, je vais pas te réanimer et je vais te laisser en prisonnière. Ah oui, je suis vachement prisonnier. Couille. Putain, merde. Ah ouais, tu oh, y'a des boules de neige, mouillé. Le boss, il va mourir. Oh, ce que ça lui a mis. Ah ouais, quand même. Oh, la quantité de dégâts qu'il vient de se bouffer sous prétexte qu'on lui a envoyé des boules. Et en plus, regarde, la tête est complètement pleine de neige. Il est complètement plein de neige. C'est adorable. C'est bien, ça. L'aventure de Noël. Hop les boum. C'est vous de mon chemin. Je projette. On n'a pas été très malin. Enfin je sais pas pour toi, mais en tout cas moi je le suis tout le temps. Je sais pas pourquoi je chante du Claude François cette année, mais. J'ai pas compris le sens de ta phrase en fait.
Bah en fait on a tous rushé avec nos boules de neige et après on a vu les chevaliers arriver et on a manqué de tous crever. Je sais pas si t'en es rendu compte comme ça. Enfin moi je m'en suis pas rendu compte vu que... Bouffe une boule de neige. Ça fait quand même pratiquement 3000 de dégâts quoi, c'est complètement pété. C'est bien Noël hein. Ah Noël c'est cool, d'un seul coup. Je suis orphelin, j'ai jamais eu de cadeau à Noël mais Noël c'est cool maintenant, d'un seul coup. Ah. Attends, je nettoie. Boum. C'est qui me tire dessus là depuis tout à l'heure? Tu vois pas la quarantaine d'ennemis qu'on a en face de nous? Je sais pas, je vois des gens devant moi mais je vois pas toi. Bah il se pourrait que ce soit eux potentiellement. Ah c'est bon, je vois là. Tu vois, j'ai tiré. Hein. Ça y est. Là y'a les coups là, les OPD. Les gros gentils. T'as dit quoi? Les gros gentils méchants. C'est pas ce que j'ai entendu encore une fois. Hein. Non, attends, on dit ça. Qu'est-ce que t'as avec les homosexuels? Les gros ogres, j'ai pas dit. Non, c'est pas ce que t'as dit. Je peux t'assurer que c'est absolument pas ce que t'as dit. Tiens, les ogres dans la neige, ça donne quoi? Là, c'est moche. Ah ouais, clair. Tu fais des bons. Voilà, ouais, maintenant. Je trouve que c'est bien Noël parce qu'on peut offrir de bons pour enfants. Alors, le mec, il a des choses pour les homosexuels. Il n'est pas capable de me dire quel âge il a ou dans quelle classe il est. Et il aime offrir des bonbons aux enfants. Je commence vraiment à avoir peur. Ah putain, on peut pas rigoler, hein. C'est dommage. Ah bah si, moi je me moque bien de toi, hein. Je rigole même, je peux te le dire. Ok. Comment il l'a trop mal pris? Attends, je m'occupe de la bouboule. Tu veux la bouboule? Bah, j'envoie mes grosses boules sur la sorcière alors. Non, casse. T'es vraiment mauvais quand même. Pas dur. Tu peux récupérer la boule et mieux soigner ma boule. Bah non, parce que t'es juste à côté. Merci. Du coup, cassez-vous de mon chemin, j'ai un poil de cul qui ressemble à un PV, mais on est pas tout à fait sûr. Là. Non, je suis tombé. Ah, j'ai la chambre. Oh! Ce que j'ai mis. Ah, je vais décéder. Pourquoi je fais un tap? Quelqu'un peut me sauver, je suis mouru. Ça va bien falloir, écoute, hein. Ah, c'est pas possible, toi tu vas mourir. Ah non, moi je suis full life, monsieur. Ah, mais monsieur il est Allez, vas-y. Voilà. Vas-y. Ah, c'est bon. Nous avons réussi. Il est titan, c'est ça que t'allais dire. J'aurais préféré avoir le temps de j'ai un engramme. Ouais, dis pas que t'as eu un engramme exotique. Hein. Non, j'ai eu. Ah, peut-être je vois du jaune. Hein. Ah non, c'est pas du jaune, c'est du bleu. Il y a un cadeau de Noël. Fais leur petit fesse. Non putain, je pourrais t'en mettre une. La vraie souffrance d'un homme. Ah putain, en plus, je peux pas t'en mettre une. Ah là là, pauvre petit merci. Ah ouais. Enfin, petit, tout est relatif, on sait tous les deux que c'est pas si petit que ça. Marcus, maintenant. Comment? T'as dit quoi? T'as dit quoi? Jean-François. Vas-y, assume. Vas-y, assume ce que t'as dit. Je m'appelle Jean-François. Tu t'appelles Jean-François, c'est ça, ouais. Voilà, j'ai dit, je sais ce que c'est la souffrance d'être avec Marcus. Oh oui, la souffrance. Je te carry tout un assaut épique, mais c'est la souffrance.